Bonjour, ben aujourd'hui je vais vous présenter ce sur quoi je travaille depuis au moins 2 semaines, voire un peu plus. C'est un projet de plaque tournante pour un train électrique à chaud. Donc j'ai un beau-frère qui est passionné de train électrique et il va équiper son installation d'une plaque tournante et il m'a demandé d'étudier un peu ce qu'on pouvait faire pour automatiser la plaque tournante. Donc voilà ce que je lui ai fait. Je vais vous présenter déjà dans un premier temps le projet et puis dans un deuxième temps, je vais vous montrer ce que j'ai fait, ce qui marche. Il y a encore des améliorations à faire, mais vous verrez où j'en suis. Commencer par cette partie. Donc j'ai hésité longtemps entre un Arduino et un Raspberry Pi Pico, puis finalement l'Arduino va très bien. Donc j'ai choisi un Arduino Nano ici. Cet Arduino Nano, je l'ai mis sur une plaque avec un bornier à vis parce que c'est quand même plus facile. Quand on a pas mal de fils et puis qu'on veut que ça soit un peu solide et bien présenté, donc j'ai choisi cet Arduino Nano avec son support. J'ai fait une plaque en impression 3D pour monter l'ensemble dessus. J'ai prévu des petites ouvertures pour mettre des colliers et donc pour que les fils soient tenus puis que ça se balade pas trop. À la limite, après, il y aura une boîte. Alors, je ne sais pas encore quel genre de boîte, mais ça sera dans une boîte. Une petite alimentation, alors je dis petite parce qu'en taille elle n'est pas très grande, c'est une 12 volts 2 ampères, ça suffit pour ce qu'on fait ici. Elle est alimentée en 220 et il y aura une coupure sur le 220 qu'on va retrouver sur le tableau de commande. Pour piloter le moteur, j'ai choisi un A4988, un driver A4988 ici, avec le réglage du courant du moteur, ce petit potentiomètre. J'ai prévu un condensateur de découplage. Donc le 12 volts du moteur arrive ici et on repart ici sur les phases du moteur qu'on va voir tout de suite après. Ici, c'est un petit switch, 4 interrupteurs. Les 3 interrupteurs de droite ici vont piloter MS1, MS2 et MS3, donc qui permettent de faire soit du pas complet, donc on a 200 pas par tour, soit du quart de pas ou du demi-pas, du huitième de pas. Là, j'ai réglé pour un huitième de pas, ça veut dire qu'on a 1600 micro-pas par tour, on va dire 1600 pas par tour. Donc ça permet d'avoir une très bonne précision, hein. Je vous laisse diviser 360 degrés par 1600 et vous verrez ce que ça donne. On ne le voit pas, mais dessous, il y a une alimentation 5 volts. Vous voyez, le planqué dessous, c'est une alimentation à découpage, donc avec un bon rendement. Et c'est celle qui va délivrer le 5 volts pour la logique, donc pour l'Arduino. Et puis pour le driver. Donc ça c'est pour la partie, je dirais, électronique. La partie moteur, elle se trouve ici. Donc la partie moteur, c'est un moteur pas à pas. Je vais vous le montrer de l'autre côté. C'est un EMA 17. Voilà, c'est un moteur pas à pas. Ici j'ai prévu. Alors je vais le remettre à sa place parce que c'est pour la suite. Voilà. Ici j'ai prévu une fourchette opto. Et donc cette partie-là va venir couper la fourchette opto pour avoir un zéro toujours le même et puis bien précis. Parce qu'il faut que les rails se positionnent de façon précise, sinon les trains vont dérailler. Donc le moteur pas à pas va entraîner ici cette languette qui va venir couper le faisceau. Et puis ici dessus, je vais mettre un adaptateur, un coupleur. Donc 5 mm de ce côté-là et puis 4 mm de l'autre côté. Et ici, on va voir donc au-dessus, ici, va venir se poser le plateau qui va se connecter directement au moteur pas à pas. Donc on aura le plateau tournant et puis dessous le moteur pas à pas. Et pour piloter tout ça, donc j'ai prévu un petit tableau de commande. Donc là, on a l'interrupteur arrêt marche pour le 220, mais ce n'est pas câblé encore. On a des LED. Alors celle-là, elle brille un peu trop. Je vais l'atténuer un peu en mettant une résistance. On a 2 LED pour le 5 volts et pour le 12 volts. On a une LED ici qui indique le verrouillage quand il y a une erreur. Bon, ça n'arrive pas souvent, mais bon, ça peut arriver. Ici, j'ai un interrupteur gauche-droite qui va permettre de déplacer le moteur de gauche à droite pour enregistrer les positions. J'ai un bouton pour le demi-tour, donc ça permet de retourner la locomotive. Et j'ai prévu 4 voies pour l'instant, donc V1, V2, V3, V4. Après, ça peut être étendu, il peut y avoir que 3 voies ou 2, mais enfin, donc c'est une base de départ. Et les extensions vont être faciles. Donc voilà, tout ça va piloter donc ce moteur. Et là, j'ai dessiné. Alors, c'est pas du tout ce qu'il va y avoir, parce que je ne sais pas encore ce qu'il va y avoir à la sortie en réel sur le train. Mais je suis parti avec une voie 1. Alors normalement, après, quand le programme sera fini, ça va venir s'aligner sur la voie 1. Mais comme j'ai pas la valeur, j'ai pas encore mis. Au démarrage, le moteur s'initialise et va venir se positionner automatiquement sur la voie 1.
pour avoir ici une voie où la loco peut traverser ou être tournée ici avec le plateau. Et j'ai prévu une voie 2, une voie 3 et une voie 4. Donc c'est pour vous faire la démo. Donc je vais commencer et puis je vous montre tout ça. Donc je vais commencer par faire un reset sur l'Arduino, comme ça on va repartir à zéro. Donc je fais mon reset. On affiche le logo d'accueil. Le moteur fait sa remise à zéro. Voilà, là il a fait sa prise de zéro, on sait qu'il est à zéro. Il m'affiche les voies qui sont déjà enregistrées. Et il me demande maintenant si je veux me déplacer sur une voie ou sur une autre. Sauf que là, les voies, bah, ce n'est pas les bonnes puisque c'était pendant les essais et ça correspond à rien du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer les voies qui correspondent à ce que j'ai dessiné. Donc pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer ici le petit bouton, enfin le petit inverseur ici en mode programme. Je vais resetter l'Arduino. Donc on relance le programme et cette fois il va détecter qu'on est en mode programme. On fait la remise à zéro comme d'habitude. À chaque fois on fait la remise à zéro. Et là on est en mode programme. Donc ça défile un peu vite, hein. Je ne sais pas si vous avez le temps de lire. Ça dit bah, déplacer le moteur avec l'inverseur. Donc on va aller se mettre sur la voie 1. Alors, vous voyez, ça va un peu vite, mais c'est pour les tests. Là, on va dire que c'est bon pour la voie 1. On est en position 391. Allez, on va dire que c'est position 400. Donc comment je fais pour affiner? J'appuie ici sur le bouton de demi-tour. Et en fait, je peux avancer 96, 97, 98, 99, 400. Donc là, je suis sur 400 et je suis ici sur la voie 1. Donc ma locomotive va pouvoir traverser sur la voie 1. Pour enregistrer, ben j'appuie sur le bouton de la voie 1 et ça me met que ça a été enregistré sur la voie 1. La voie 1 est sur 400. Et j'ai un petit bip qui me dit c'est bon. Donc maintenant, je vais faire la voie 2. Donc pour faire la voie 2, voilà, j'y suis à peu près 634. Allez, on va dire que c'est 635, donc je fais pareil, j'appuie sur le bouton ici. Et ah, j'appuie deux fois. Voilà, 635, et c'est la voie 2. Donc je valide sur la voie 2. Enregistrer voie 2, 635. Bip, c'est bon. Donc ça s'enregistre dans le EEPROM qui est sur l'Arduino. Et ça va me permettre de récupérer les infos, même si l'appareil est coupé, débranché. Ça reste en EEPROM. Donc ici ensuite je vais aller sur la voie 3, ou un peu loin peut-être, donc on va revenir tout doucement. Voilà, ça va permettre de caler ça le rail avec une très bonne précision. Donc les deux rails, celui du pont tournant et puis celui de la voie, vont être tout à fait alignés. Voilà, on va dire que c'est bon. Donc là je suis en 734. Allez, on dit que c'est bon pour 734 et c'est la voie numéro 3. Donc j'appuie sur l'enregistrement voie numéro 3. J'enregistre. Alors ça enregistre en EEPROM et ça relit pour vérifier que c'est bon. Et ça me met un petit bip si c'est validé. Et puis il me reste la voie 4. Donc je vais aller chercher la voie 4. Voilà. On va se mettre en face. Allez, 205. Voilà, 205, la voie 4. Je valide. Ah, j'ai vu qu'il y avait un petit bug d'affichage, il va falloir que je regarde ça, mais c'est bon, hein, on a enregistré 205 sur la voie 4. Maintenant que c'est bon, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on sait que tout est enregistré, donc je vais pouvoir remettre en position normale ici. Voilà, je remets en position normale et je reset l'Arduino. On a l'écran d'accueil, la remise à zéro. Et on va afficher les voies. Donc à chaque démarrage, on va afficher les voies pour vérifier que c'est en bonne situation. Et il me donne la position 0 actuellement, puisque je suis resté en position 0. Je n'ai pas été mettre le rail en position sur la voie 1, puisque je ne sais pas encore exactement où elle sera. Mais bon, ça ne pose pas de problème. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est faire un demi-tour. On va déjà aller se positionner sur la voie 1. Voilà, donc là je me positionne sur la voie 1, en 400, et je vais par exemple faire un demi-tour à la locomotive.
demi-tour, et je viens de l'autre côté, et je suis en 1200. Voie 2. Voie 3. Ah, c'est la voie 4. Bon, on va rectifier ça. Et la voie 4, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que je suis déjà en position. Donc j'ai dû avoir un petit raté entre la voie 3 et la voie 4 quand j'ai enregistré, je pense. Bon, on va le refaire. Alors je remets en position programmation. Je reset. Remise à zéro. Et je vais aller programmer la voie 3. Je ne sais plus comment il y avait, mais bon. On va se remettre à peu près pareil. Voilà, là je suis sur la voie 3, donc je vais bien enregistrer sur la voie 3. Je vérifie. C'est comme j'ai la caméra entre la face avant et puis mes doigts, j'ai peut-être appuyé sur le côté tout à l'heure. Donc là j'ai 729 pour la voie 3. Là, je vais refaire la voie 4 pendant que j'y suis. Allez. Voilà, on est sur la voie 4, position 211, on dit que c'est bon. J'appuie sur cette fois sur le bouton voie 4. On est bien ici sur la voie 4. Voilà, donc normalement là, on devrait être bon. Je peux sortir du mode programme. Donc j'enlève mon petit switch et je reset. Alors, il y aura peut-être encore des bugs, hein. Là je suis vraiment sur les premiers essais. On va aller sur la voie 1, comme tout à l'heure. Donc voie 1, ok. Voie 2, ok. Voie 3, ça marche. Et voie 4. Ça doit être bon. Je vais faire un demi-tour ici. Voilà, ma loco peut sortir ici de la voie 4. On lui fait faire un demi-tour et on la renvoie. Et puis je vais aller sur la voie 3 par exemple. Voilà, sur la 2. Sur la 1. Faire un demi-tour sur la 1. Voilà, alors vous avez vu que le programme ne vient jamais recouper ici la fourchette optique. Si jamais ça vient recouper la fourchette optique, ça provoque une erreur, il y a une interruption, ça provoque une interruption et ça va allumer cette lampe et verrouiller le plateau. Alors la raison, c'est que le plateau, il n'y a pas de balai dessus, il n'y a pas de frotteur, c'est des fils. Et donc on peut faire un tour et demi maxi, mais j'ai limité à un tour. C'est-à-dire que je m'interdis de faire un tour complet pour ne pas enrouler le fil du plateau. Puisque sur le plateau, il y a des rails qu'il faut alimenter. Et donc, ça évite d'enrouler le fil et puis de le casser à force. Parce que quand on arrête et qu'on redémarre, on ne sait pas forcément combien de tours on a fait. Ou alors, il faudrait le compter. Enfin, moi, ça m'a pas paru judicieux. Donc, j'ai préféré ne faire qu'un tour. Et je gère, en fait, pour aller d'un point à un autre, est-ce que je vais dépasser la limite? Et si je dépasse la limite, ben, je fais le tour dans l'autre sens. Donc, je gère le sens de rotation horaire ou anti-horaire. Voilà, j'ai emmené mon truc. Voilà, donc voilà le projet tel qu'il est. Hein, donc pour l'instant, c'en est là, mais je pense qu'il y aura sans doute encore des évolutions. Bah, là, j'y suis déjà, c'est ça, oui. Ouais, déjà en position. Donc si je le mets sur la 4. Voilà. C'est un peu long, alors c'est voulu aussi pour pas que ça soit trop rapide. Et en fait, je lis les boutons poussoirs via une entrée analogique. Donc j'ai un pont diviseur dessous et je lis une tension. Et cette tension me permet de déterminer quel est le bouton qui a été appuyé. En plus, pour pas qu'un appui sur un bouton soit, je vais dire, accidentellement puisse déclencher la rotation, je lis une fois de temps en temps le bouton
Ça veut dire qu'il faut laisser appuyer pour que ça soit pris en compte, et quand c'est pris en compte, la LED s'allume et on peut lâcher. Voilà. Voyez. Là, la LED s'allume quand c'est pris en compte. Ah ben là, elle ne s'est pas allumée, évidemment. Voilà. La LED s'allume pendant la rotation. Voilà, le projet tel qu'il est à l'heure actuelle, il va encore sans doute évoluer, mais vous avez un premier aperçu de ce que j'ai fait et puis de ce que je vais mettre en ligne, hein, puisque je ferai un article dessus. Et puis vous aurez tout ce qui est impression 3D et puis les programmes. Ça sera sur JTube pour les programmes et puis l'impression 3D dans l'article sûrement, ou peut-être sur le JTube aussi. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt sur Framboise 314.